Bonjour, mes clients. Nous sommes votre vendeur sur Amazon Flux Express. Merci pour votre achat de ce produit, collier de dressage du chien type M86. Ce produit se vend très bien depuis octobre cette année. Beaucoup de clients s'intéressent de comprendre mieux l'opération de test. Aujourd'hui, nous organisons une petite présentation de ce produit. La présentation se compose de trois choses. 1. Chargement d'énergie de la télécommande et le récepteur. 2. L'appareillement entre la télécommande et le récepteur. 3. Test de la fonction de choc statique et l'avertissement de vibration. Maintenant, vous vérifiez si les composants dans le paquet sont complets. La télécommande, le récepteur, un sangle, un câble de connexion, aussi un adaptateur, deux paires d'électrodes pour le test, une ampoule, aussi un manuel. Donc, il faut remarquer, le manuel est en anglais. Donc, si vous voulez le texte français, vous pouvez nous contacter par email. Nous envoyons la version électronique en français. OK. Maintenant, on va vous montrer comment on fait l'appareillement entre la télécommande et le récepteur. C'est la télécommande. Vous appuyez sur le bouton, donc l'écran devient brillant. C'est bon. Maintenant, on commence l'appareillement entre le récepteur et la télécommande. Allumez la télécommande, appuyez sur le bouton, ce que j'ai déjà dit. Deuxièmement, allumez le récepteur, appuyez sur le bouton d'alimentation et voyons doit s'allumer en rouge fixe. Et puis, veuillez appuyer encore une fois sur le bouton d'alimentation, le voyant va devenir rouge clignante à une vitesse lente. Ensuite, appuyez sur le bouton électrique aux vibrations, le récepteur doit réagir. Et le voyant sur le récepteur doit clignoter en rouge à une vitesse rapide. Et puis, devient rouge fixe. Donc, ce qui signifie la bonne connexion entre la télécommande et le récepteur. OK. Ensuite, on fait le test. Vous installez l'ampoule sur le récepteur. Vous voyez, il y a aussi le rouge, le clignote. Ensuite, on teste la fonction. Vous appuyez sur le bouton de signe choc statique. Oui. Oui, vous voyez le voyant rouge clignote. Ensuite, c'est bon. Ensuite, on fait l'appareillement entre la télécommande et le récepteur. Oui, oui, ça marche, ça s'allume, on s'allume. Ensuite, oui, le voyon devient rouge, fixe. Ça marche maintenant. Ça veut dire la connexion entre la télécommande et le récepteur marche bien. OK. Donc, le test se termine comme ça. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne opération. Bonne journée.